mademoiselle, vous n'aurez pas une petite pièce pour une bière comme moi? Mademoiselle? Bonjour. Comme vous avez dû l'apprendre, votre professeur de mathématiques est absent 2 semaines pour cause de stage. C'est moi qui aurai pour mission de vous faire assimiler les données nécessaires à la réussite du baccalauréat. Rigueur, discipline, volonté sont les 3 qualités à acquérir pour devenir une personne. Tout manquement au règlement que je vais vous faire signer sera sanctionné. Vous en prenez une, vous faites passer à vos camarades, s'il vous plaît. Vous allez m'écouter, oui? Ça suffit, c'est pas vrai ça. Merci. Justement, j'y viens. Point numéro 2, les téléphones. Tout élève surpris à utiliser un téléphone pour quelque motif que ce soit viendra le chercher à la fin de l'heure. J'en ai vraiment marre de vos portables. Bien, vous lirez le règlement chez vous plus tard. Maintenant, prenez vos livres, page 67. Les fonctions sinus et cosinus. Quelle relation peut-on établir entre le sinus et le cosinus ? Allez, la prochaine fois, tu iras chercher chez le proviseur. Au revoir. Mais enfin, Jeanne, ton père et moi, on a déjà du mal à boucler la fin du mois. Chut, c'est le dernier. Mais maman, tu t'imagines pas ce que c'est de plus pouvoir parler à ses copines. Chut, on verra ce qu'on peut mais faire. Mais mon portable, c'est toute ma vie. Chut, un peu de patience. Tantôt église, tantôt nécropole, le Panthéon change plusieurs fois de fonction au cours du 19e siècle. La Deuxième République décide en 1848... Allô, oui, non, là, excuse-moi, je peux pas te parler, je suis en cours. Oui, je sais, on va chez ta mère ce soir. Oui, je sais. Mais tu penses à prendre le pain, hein? Oui, je t'aime. Alors, comme le disait Rousseau dans ses Confessions, je te kiffe trop, je t'aime mon cœur. Et est-ce que vous vous souvenez quel était le thème de prédilection d'Alfred de Musset? C'était l'amour par sexe, toi, madame, mais ça s'appelait pas comme ça à l'époque. On parlait de relations épistolaires entre George Sand et lui.
Allez, bois pour deux. Salut pour Barbie, tu l'as acheté où? Tu vois que je suis en train de parler là? Salut. Salut. Ça va? Ouais, très bien, et toi? Ça pourrait aller mieux. C'est vraiment pas cool hein, ce qui t'est arrivé hier. Le gars, il avait pas à faire ça, hein, même si je suis plutôt d'accord avec lui. T'es désolé? Et tu dis que c'est bien fait pour ma gueule? T'es vraiment chelou, toi. Non, je dis pas ça, hein, mais c'est juste que sa pensée sur la technologie est assez juste, tu vois? Mm-hmm. Bah, en fait, depuis l'arrivée des ordinateurs, plus personne n'a envie de discuter avec des humains. Tout le monde préfère se focaliser sur un écran. Est-ce que t'as vu Terminator? Je vois pas le rapport. Bah, l'intelligence artificielle, le contrôle de la pensée, tout ça, ça te fait pas peur? Toutes ces machines qui te poussent à consommer et à nous éloigner les uns des autres. Je suis sûr que d'ici quelques années, tout se fera par Internet. T'auras même plus besoin de sortir de chez toi. Tu veux vivre à l'âge de pierre ou quoi? Dis-moi pas que t'as pas Internet. Non, mais je l'ai bien sûr et je l'utilise. Mais c'est juste que, depuis qu'il y a le net sur les portables, j'ai l'impression que les gens sont incapables de se déconnecter. C'est comme s'ils avaient une laisse accrochée autour du cou. T'as Facebook aussi? Ouais, mais je filtre mes infos. T'imagines si c'était comme ça dans la vraie vie? T'aurais toutes les deux minutes un glandu qui viendrait avec un pouce et qui te dirait « j'aime ». Ouais. Hé, hey, Jeanne! Ah, maman! Regarde ce que j'ai trouvé. Mon tiroir, mon vieux Nokia qui marche encore. Ah, super. Mais ça va, j'en ai plus. Je veux bien te le prêter. Non. Il marche encore, il est très bien. Non, j'en ai plus vraiment besoin, en fait. Michael? Présent. Margot? Présente. Damien? Il est pas là. Pour quelle raison? Je sais pas. Léo? Là. Victoria? Là. Apolline? Là. Petite forme aujourd'hui. Rien. Victoria, s'il te plaît, tu me prêtes ton portable? Ok, mais 5 minutes pour mon copain m'a manqué. C'est rien, madame, c'est juste que Damien sort avec Jeanne. C'est trop chelou. Je m'écarte d'ici.
pas là? Ah, JAPD, désolé, hein, j'ai oublié de prévenir. Putain, à cause de ça, tout le monde croit qu'on sort ensemble. Quoi? Bah oui, enfin, je t'explique, j'ai pris le téléphone de cette pute de Victoria pour t'envoyer un message à midi, mais comme une conne, j'ai oublié de me déconnecter, et du coup, elle en profite pour lancer une rumeur. Enfin, je te jure, demain, je la frappe. Hein. Non, non, mais attends, t'énerve pas, ça sert à rien, mais il faudrait trouver un moyen de se venger, un truc bien subtil. Eh, t'emballe pas, coucou, hein. Attends, réfléchis un instant, qu'est-ce que ces personnes aiment le plus au monde? Je sais pas, moi. Bah, leur portable. Si on arrive à leur enlever, ça sera une belle humiliation. Et comment tu vas t'y prendre? J'ai ma petite idée. Hey! Hey! Écoutez-moi! Samedi soir, soirée pour Halloween chez moi. Amenez ce que vous voulez. Tiens, regarde ce que j'ai chopé dans le gommon. Ouais, vas-y, montre. J'ai eu chaud au cul, hein. Le Vigile, il m'a grillé, je crois. Ah ouais? Par contre, je sais pas comment ça marche. Mais je pense que ça marche. Je sens que ça va être trop cool. Tu trouves pas? Je mets ça là, je mets ça ici. Attends, on a tout là, genre Fanta, Coca et tout. Y'a plus rien, hein. C'est mort de chez mort. Tu l'as dit. Allez. C'est quoi cette merde? Putain, toi aussi t'as reçu ce même message? Ouais, ça me casse les yeux. Putain, il est en train de télécharger un nouveau morceau. Ouais.